Hey matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel de maison moderne sur Minecraft facile à faire. Cette fois-ci donc une maison vraiment voilà, simple à faire, qui comporte trois parties différentes avec des toits pentus et une espèce de tour de verre magnifique au milieu. Voilà, donc je vais vous faire un petit peu le tour du propriétaire peut-être avant de commencer, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que vous me demandez souvent. Donc voilà, il y a trois parties de la maison. Avec un espèce de petit jardin jacuzzi à l'arrière parce qu'on se fait plaisir, tu vois. Et une espèce de balcon surélevé. Enfin voilà, c'est un truc un peu rigolo comme ça. Une espèce d'étage, demi-étage, mezzanine, balcon. Voilà, je me suis fait plaisir, tu vois. Donc ici, on a une entrée avec de la vitre et des poutres. Et on arrive directement, c'est ça qui a fait un peu la particularité de cette maison. On arrive directement sur un préau, tu vois. Et pas directement à l'intérieur d'une maison, c'est-à-dire qu'on pourrait, par exemple, si je reprends voilà, ma forme, on pourrait faire une ouverture comme ça, et d'ailleurs vous pouvez le faire si vous voulez dans votre maison, vous pouvez faire une ouverture comme ça pour aller sur le côté directement et pouvoir entrer dans la maison directement. Sauf que le problème c'est qu'ici, moi j'ai voulu vraiment amener les gens sur une entrée, enfin sur un préau, tu vois, donc rester à l'extérieur, tout en étant couvert, hein, pour pouvoir après accéder aux différentes parties de la maison, tu vois. Donc voilà, c'est un parti pris, c'est selon ce que vous voulez faire évidemment. Alors voilà, donc pour commencer cette maison là, vous aurez besoin, alors moi j'ai utilisé de la neige, vous pouvez utiliser du quartz ou de tous les blocs blancs que vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. On va utiliser aussi du coup beaucoup de vitres, là vous voyez comme sur la maison, bah, il y a énormément de vitres. Des blocs de bois de bouleau et des blocs de dark oak, comme ça, des blocs de chêne sombre. Ok, donc on va utiliser de la neige, moi, pour notre expérience, et on va déjà mettre en place les piliers, vraiment, de la maison. Vous voyez, les grands piliers en neige qu'il y a là-bas. Donc on va faire, hop, un premier jet de 3 piliers de longueur, comme ça. Après, on va compter 13 blocs sur le côté, comme ça, tu vois, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ok. Puis après, on refait 3 blocs comme ça, ok. Après, on va compter 11 blocs dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. 1, 2, 3. Et mes anti-pluies ne marchent pas. Tu sais, j'ai mis en fait des machins comme ça. Mais ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. C'est très 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 embêtant. Vraiment, moi ça me... Je sais pas pourquoi, il marche plus. Enfin bref, quand je change d'une version à l'autre, ça les casse, je sais pas pourquoi. Enfin bref, du coup voilà, on va reprendre nos piliers et on va, hop, les remettre ici. Ok. Alors, une fois qu'on a ça, donc avec nos 4 piliers, avec 11 blocs ici et 13 ici, d'écart, on va prendre les blocs de bois sombre, hein, et on va faire ça, c'est-à-dire qu'on va prendre le pilier du coin ici, comme ça, on va en mettre 2 derrière, puis après 4, enfin 5 plutôt sur le côté, donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 en tout, d'accord. On va en remettre un ici, on va laisser 2 d'espace ici, comme ça, puis on va remettre un carré comme ça, d'accord. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on va se mettre sur la tranche, sur le côté de notre bloc de bois ici, tu vois. On va laisser un bloc d'espace à ce niveau-là et on va en mettre 3 ici. 3 blocs de neige. Pareil, de l'autre côté, on laisse un espace et puis 3 blocs. Ok. Ici, comme ça, quand on prend la maison dans ce sens-là, on va laisser 6 blocs sur la largeur. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Enfin 6. Hop. Ok, et la même chose de l'autre côté, hein, on laisse 6 blocs de marge. Ok, donc voilà, là ça va être vraiment les piliers principaux de la maison, hein, véritablement. Et donc l'idée c'est que maintenant on va mettre la hauteur des différents piliers, c'est-à-dire que les deux piliers à ce niveau-là, ils vont avoir 10 blocs de hauteur. Ces deux-là, ils vont être à 7 blocs de hauteur, ceux-là à 4 et ceux-là à 6. Ok. Donc voilà, on va les faire ici, hein. Donc là on est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, voilà, donc on va les mettre rapidement, pouf, ok, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, d'accord, hop, ok, alors ici j'avais dit 7, c'est ça, donc on est à 3, 4, 5, 6, 7, ok. Et donc l'idée, voilà, c'est qu'une fois qu'on aura mis ces piliers-là, du coup, on va pouvoir mettre des toits qui vont être penchés par-dessus.
évidemment, ça va être ça le gros point de la maison, hein, véritablement. C'est le fait que tu as des piliers, enfin que les toits sont très très penchés, les uns sur les autres. Donc là, on est à 6, hop. Et en fait, les toits, ils vont être assez larges, c'est-à-dire qu'ils vont déborder des murs de chaque côté, évidemment. Pour, ça, c'est comme dans toutes les maisons modernes. Et hop, on a 4. Et il y aura pas mal d'épaisseur, en fait, évidemment. Donc ça va être ça un peu le côté un peu rigolo du toit. Alors ici au niveau de notre carré en bois sombre, on va le mettre à 12 blocs de hauteur. Ok, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on va les prolonger comme ça sur 12 blocs de hauteur sur tout l'ensemble. Hein. Et une fois qu'on a ça, on va juste mettre un bloc comme ça sur une ligne de blocs sur le plus haut. Ok. Bon, et bien une fois qu'on a nos piliers, c'est bon, on va pouvoir mettre le toit. On va juste finir notre tour ici, tu vois, directement, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire en fait. On va prendre les demi-blocs de bois, le bois de chêne, et on va en mettre ici, là, tu vois, hop, de chaque côté pour faire vraiment des poutres qui vont quand même relier les deux parties de la tour, parce que sinon il n'y aurait rien qui va relier les deux parties de la tour si ce n'est le verre, et ça fait un peu bizarre. Donc voilà, on va prendre des glace-panes, hein, des vitres, hop, en vitre. J'allais dire des vitres en bois, mais ça n'a aucun sens. Voilà, on va en mettre sur toute la hauteur. Et évidemment, on va aussi mettre des blocs de vitres, du coup, au niveau du dessus. Hop, hop. Ok. Voilà, alors les blocs de vitres, ils sont là. Pouf. Pouf. Ok. Alors, une fois qu'on a fait ça, du coup, ben on a plus qu'à faire le sol aussi du truc, mais ça on fera plus tard. Donc, en fait, l'idée c'est que maintenant on va utiliser les demi-blocs et les blocs de bois de bouleau. Hop, comme ça, alors. Et comme ça, ok. Et on va, voilà, vous voyez, faire des espèces de marches de deux demi-blocs par deux demi-blocs, comme ça, les uns par-dessus les autres. Et ils vont avoir une taille de deux blocs, en fait, ou d'un bloc et demi selon les endroits. Donc voilà, c'est ça qu'on va faire du coup. Il va falloir relier les piliers entre eux déjà. Hop. Donc on va voir comment on va faire ça. Youp, youp. Hop. Donc voilà, ici on est un petit peu trop en longueur. Donc il va falloir rehausser le délire. Youp, youp. Voilà, donc on va venir par-dessus ça. Et en fait, une fois qu'on est à deux blocs ici, tu vois, on va pas creuser dans le pilier, on va juste les mettre par-dessus, tu vois, pour camoufler un petit peu. L'idée, c'est qu'on va faire un truc comme ça. Donc ici, j'ai tout pété, c'est pas bien. Hop. Et on va les décaler de 3 blocs, je crois. C'est-à-dire qu'on va avoir un décalage de 3 blocs du mur, tu vois. On va faire dépasser le toit de 3 blocs au niveau de l'avant et de l'arrière, et de 1 bloc sur les côtés. Donc voilà, au niveau de l'arrière, du coup, on va ajouter... Pouf, comme ça, 3 blocs. Et on va venir par-dessus. Par-dessus, donc du coup, sur le côté. Hein, pour ajouter de l'épaisseur. Et pouvoir hop, camoufler un petit peu tous les petits défauts qu'il pourrait y avoir. Et on va rajouter aussi de l'épaisseur sur le dessus aussi, du coup, hein, évidemment. Et là, du coup, on aura notre toit qui sera bien. Qui sera bien, qui sera bien. Hein, tu vois, là, on a ajouté pas mal d'épaisseur. Et du coup, au niveau des piliers, on voit que c'est nickel. Donc, l'idée, ça va être de prolonger ça sur toute la surface du toit, hein, tout simplement. Voilà. Alors, l'idée aussi, c'est que pour prolonger le toit, comme ça, il faut pas oublier qu'il y a aussi 3 blocs d'écart, du coup, au niveau de l'arrière de ce pilier-là, hein, tu vois. 3 blocs d'écart. Et que aussi il y a le dessous, en fait, tu vois, comme le toit fait un bloc et demi d'épaisseur, il faut pas oublier de refaire le dessous aussi du toit. Walou, walou. Alors, une fois qu'on a ça, on va mettre le sol en place aussi, parce que du coup ça sera plus facile après pour mettre les blocs de verre, hein, là, et les vitres. Donc voilà, on va prendre des blocs de bois classiques, hein, des blocs de bois de chêne. Et on va remplir toute la surface, tu vois, des maisons. Et on va prolonger les murs ici, tu vois, sur la longueur et sur cette longueur-là. Pour les croiser de sorte à avoir une espèce de petite place à ce niveau-là. Du coup, on va faire ça. Donc, je reprends vraiment les dimensions. Hein, on va faire tout le bas, en fait, de cette partie-là de la maison. Ok, et on va prolonger le pilier ici. Pour arriver sur l'alignement avec les piliers là-bas. Hop.
Voilà, et on va évidemment prolonger ici, on va prolonger entre les deux. Hop, et on va ronger ici, et on va faire aussi l'intérieur de la tour à ce niveau-là. Tu vois, donc ça va être toute cette partie-là, finalement, toute la partie que j'ai, dont j'ai enlevé les contours, qu'on va changer en, ben, en bois, hein, tout simplement. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, du coup, on va pouvoir utiliser les vitres, hop, comme on avait déjà fait. Et les mettre comme ça, voilà, les remplir sur tous les côtés, voilà, comme ça, on va tailler dedans après, plus tard. Ah bah alors oui, du coup, il va falloir laisser certains blocs de marge creusés dans le bois, enfin creusés dans le toit aussi, parce que sinon, ça risque d'avoir des problèmes de connexion, hop, avec les vitres hein, au niveau du toit. Donc, il vaut mieux rogner des blocs un coup sur deux. Hop, voilà, donc on va faire tout ce mur-là, on va faire ce mur-là aussi, celui-là là-bas, on va faire toute cette partie-là aussi qu'on va complètement vitrer. Ah oui, il va falloir faire le toit aussi à ce niveau-là, ça j'avais zappé. Enfin bref, on va déjà mettre les vitres en place à ce niveau-là, ça va être pas mal. Hop, alors le truc c'est qu'il va falloir réussir à viser, hop, correct, la truc, viens ici. Ah, j'arrive pas à cliquer où il faut. Allez, youp, voilà, et on va en mettre comme ça partout du coup, là où il y en a besoin, hop, ok, donc une fois qu'on a ça, on va mettre le toit sur la deuxième partie du bâtiment, hein, évidemment, à ce niveau-là, donc, pouf, on va en mettre en commençant par ici, et on va les descendre petit à petit, comme on avait fait pour l'autre, et donc ici, on va creuser à ce niveau-là, et ici comme ça, alors on a combien? On a deux blocs, ok, d'espace par rapport à ce niveau là, donc il suffira de rajouter de l'épaisseur, hop, ok, ouais, par dessus ça, histoire de camoufler un petit peu le bazar, hop, ici on pourra pas, donc il faudra rajouter de l'épaisseur jusqu'à comme ça. Ok, donc là pareil, hein, il faudra rajouter un bloc et demi d'épaisseur pour pouvoir camoufler les problèmes qui ira se coller au pilier, ok. Mais c'est rien de bien compliqué, tu me diras. Youp. Voilà, donc il faudra faire ça sur toute la longueur, évidemment. Ok, donc ici, on va rajouter 3 blocs, évidemment, d'écart aussi. Donc là, on est à 2 et 3. Ok, donc là, on est sur la partie du dessus. Non, on est sur la partie... pas encore du dessous, même, d'ailleurs. On est ici comme ça. Là, on est bien. Hop. Et comme ça. Ok. Donc là, évidemment, on pourra rajouter même un bloc ici, tu vois, pour camoufler, d'ailleurs. Hop, ici sur le côté. Et on va rajouter des blocs comme ça sur le côté du pilier pour vraiment faire ressortir le toit sur le côté. Voilà. Et donc, évidemment, l'idée, ça va être de reprendre ce toit-là pour le prolonger sur toute la longueur de la maison, de ce coin-là de maison, en tout cas. Voilà. Hop, on va aller faire la deuxième... youp, vers le deuxième bord du toit de ce côté-là. Hop, hein, on est ici, on est bien. Ok, donc là, on est bon. Hop. Hop, ok. Hop. On est là, on est là, et on est là. Ok, voilà. Donc, il va falloir reboucher tout ça, hein, tout simplement. Ok. Alors, une fois qu'on a fait ça, je me suis rendu compte du coup qu'en fait, sur ce toit-là, en fait, l'idée, ce sera de faire un préau autour de l'entrée, tu vois. Dès qu'on arriverait dans la maison, il y aurait un préau comme ça. Et là, je me rends compte que du coup, en fait, non, il n'y avait pas 3 blocs d'écart à ce niveau-là. Hein, c'était les 3 blocs d'écart, c'était par là-bas. En fait, à ce niveau-là, ça va être 6 blocs, tu vois. Donc là, il y en aura 3, 4, donc 5 et 6. On va venir tout jusque-là, en fait, sur ce toit-là. Donc, il faudra juste en rajouter un petit peu. Voilà, il n'y a rien besoin d'enlever. C'est juste du rajout. Youp. Il faudra faire ça sur toute la longueur, du coup, évidemment. Hein, parce que sinon, sinon, ça marche moins bien. Hop. Pouf. Voilà. Donc, on va combler ça rapidement aussi de ce fait. Hop. Voilà. Alors, évidemment, ça va être... pour pouvoir mettre des piliers, hein, tu vois, en dessous le préau, qu'on va faire ça, parce que évidemment, hop,
les piliers peuvent se coller qu'à des blocs pleins. En fait, c'est ça le problème. C'est que du coup, là, tu vois, il y a des demi-blocs et les piliers, comme ils peuvent se coller qu'à des blocs pleins, il va falloir creuser dans le toit aussi. C'est pour ça qu'on a besoin de pas mal d'épaisseur. Voilà, donc on a ça. Maintenant, on a notre architecture qui est vraiment finie. Du coup, il va falloir, enfin, il y aura juste l'espèce de balcon ici qu'il faudra faire. Mais du coup, après ça, on aura fini l'architecture, il faudra vraiment, enfin, on aurait fini les murs, et tout le reste ne sera plus que des finitions, tu vois, comme les lampes, comme le jacuzzi avec les fleurs et tout ça. Donc, on va rajouter les piliers tout de suite, on va aussi rajouter les vitres qui manquent ici, évidemment. Donc, les piliers, tu vois, on va les creuser, hop, dans le toit, à ce niveau-là. Hop, ok. Et on va en rajouter deux ou trois hein, d'ailleurs ici comme ça. Hop, ici. Et puis c'est tout. Voilà, il n'y aura pas besoin d'en mettre davantage non plus. Voilà, donc on rajoute aussi des vitres à ce niveau-là. Youp, surtout l'encadrage. Voilà. Et aussi sur les murs aussi de l'autre côté, évidemment. Sur les murs ici, sur le mur là-bas. Hop, je fais ça rapidement. Ok, donc maintenant, une fois qu'on a mis les vitres en place, l'idée ça va être de mettre les accès en place aussi, parce qu'évidemment, là on peut pas rentrer encore dans la maison, donc il va falloir faire hop, une entrée comme ça. Hop, pareil dans cette partie-là de la maison. Ok, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, bah, va falloir utiliser le bois pour pouvoir faire une espèce de plateforme ici, comme ça, qui va venir faire une espèce de terrasse-balcon sur le dessus. Ok, donc le balcon, on va le faire jusqu'à combien? On va le faire jusqu'à 5, 6 blocs de longueur. D'accord. Ok. Ah, alors attends. Oui, je reprends les dimensions quand même parce que. Ouais, donc on est à 4 blocs de hauteur sur 6 blocs de large. Ok, ça marche. Donc on va reprendre le bloc de bois sombre ici, comme on a fait. Et on va compter 1, 2, 3, 4 blocs de hauteur. Et on va mettre à partir du cinquième bloc. Ok, donc là, on va tout péter la vitre sur la longueur. Et en fait, on va essayer de faire plutôt une forme de terrasse finalement. Et après, à l'intérieur de cette forme qu'on fera donc en bois comme ça, on va mettre du bois plus du bois de plancher, hein, tout simplement, pour mettre à l'intérieur. Et ça sera bon. Alors l'idée, c'est que du coup, on va mettre aussi un toit, enfin un mur comme ça qui va se renforcer sur la longueur. Et que, hop, on va faire la plateforme comme ça autour. Ok. Ok. Voilà. Donc voilà, il y a toute cette partie-là en verre qu'on va enlever histoire d'avoir de la place. Ok. Voilà. Donc l'idée c'est qu'on va revenir par ici. On va faire 2, 3, 4, 5, 6 blocs comme ça par devant. Ok. Voilà. On va revenir comme ça au niveau de l'intérieur, tu vois. Et on va faire 4 ou 5 blocs aussi au niveau de l'intérieur. Alors là, du coup, j'ai oublié aussi combien il y avait. Hop, alors au niveau de l'intérieur, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs aussi. Pareil, effectivement, c'est plus facile à se rappeler du coup. Donc voilà, donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Et on va, voilà, faire une plateforme comme ça à partir de là. Ok. Donc voilà, là ça va être la forme de la plateforme, ok. Et donc on va creuser un escalier dedans tout simplement. C'est-à-dire qu'on va mettre en place, hop, un escalier. Si j'arrive à les retrouver, l'escalier, petit, petit, petit. J'ai paumé l'escalier, d'accord, il est là. Parfait. Donc, on va prendre l'escalier, on va le mettre en place ici sur le côté, tu vois. Donc l'idée c'est qu'on va mettre. Attends, je regarde le modèle vite fait parce que vraiment pour la petite plateforme là, j'ai juste complètement zappé. D'accord, donc il n'y a pas de rambarde sur le côté. On va juste mettre un truc ici comme ça. Ça marche. On va creuser du coup. Ça, on va l'enlever. Ok, et on va atterrir sur le côté ici comme ça. Ok, donc on va devoir arriver ici. Donc, on va mettre les escaliers comme ça. Hop. Hop et hop. Et on va les faire sur deux blocs de large. Ok, voilà. Pouf, 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 pouf. Et ici, du coup, on va reprendre la rambarde en bois brut et on va la mettre comme ça sur le côté de. Sur le côté. Ok, donc ici, en fait, toute notre plateforme à l'intérieur, on va reprendre des blocs de bois et on va complètement la mettre en bois hein, à l'intérieur. Ça va être rapide.
Voilà, magnifique. Et donc, bah, l'idée, c'est qu'on va reprendre du coup des piliers, hein, comme on avait mis pour le préau ici, là, hop, et on va les mettre au niveau de l'intérieur, au niveau des coins de la mezzanine. Ok. Ok, et on va aussi les mettre au niveau de l'extérieur, évidemment. Au niveau des coins, pareil. Pouf. Et pouf. Voilà. Alors, on va pouvoir peut-être même les mettre à un bloc au niveau de l'intérieur, tu vois, au niveau plutôt en un bloc comme ça en diagonale. Ça rendrait, je pense, plus esthétique. Hop, on va essayer, hein, tout simplement, il n'y a pas de souci. Youp, ok. Voilà, ça rend un peu mieux, je trouve. C'est selon, après, évidemment, au niveau des goûts. Voilà, donc on va juste rajouter, enfin, on va enlever, voilà, une ligne de verre ici à ce niveau-là. Et on va rajouter sur tout le contour, en fait, de notre plateforme pour pouvoir avoir un minimum de sécurité quand même, tu vois. Ça paraît plutôt une bonne idée. Hop. Voilà. Donc bah voilà, on a notre espèce de petit balcon plateforme mezzanine terrasse, tu vois, c'est un petit peu un mélange de tout ça, mais ça marche bien, c'est plutôt rigolo. Moi j'aime bien. Donc ici on laisse une ouverture quand même, et on va devoir faire cette espèce de petit d'aménagement de petit jardin, de petit coin de jardin quand même, hein, avec le jacuzzi et tout ce qu'il faut. Donc l'idée c'est qu'on va prendre des feuilles et des blocs de bois de sapin par contre cette fois-ci. Hop, tu vois, des bois de sapin avec des carpettes par-dessus. On va aussi prendre des rosiers. Alors oui, évidemment, si je les prends à la place des blocs que je dois prendre. Alors l'idée c'est qu'on va laisser une bande, tu vois, de verdure ici, surtout de la longueur. Ok, jusqu'au pilier, hein, même. Et on va laisser, on va faire une bande de feuillage comme ça par-dessus. Tu vois, à un bloc décalé de la plateforme. Comme ça. Et on va rajouter les blocs de bois, de sapin, du coup, par derrière encore. Ok. Hop. Alors on va aussi en mettre de l'autre côté de la route aussi, du coup. Hop, hop, on va mettre du coup les blocs de feuilles à deux blocs de hauteur, hop, et on va mettre des carpettes, du coup des tapis par-dessus les blocs de bois, hein, au classique, comme vous avez pu le voir sur le modèle, rien de bien compliqué là-dessus non plus, mais ça donne quelque chose d'assez joli finalement, il n'y a pas besoin de faire très compliqué pour que ça soit joli en fait, c'est hop, un peu à l'inverse de la pensée de la construction médiévale. Mais voilà, c'est pas extraordinairement grave, c'est de style différent de toute manière. Alors on va mettre aussi du coup des fleurs comme ça tous les deux blocs, tu sais, de marge Simpson. Ok. La blague du siècle. Ok, donc on va prendre les grasses comme ça, comment ça s'appelle, les herbes de deux blocs de hauteur, et on va les mettre entre les rosiers quand même, histoire de donner un petit peu de volume à tout ça. Voilà. Alors du coup, on va prendre les demi-blocs de bois de chêne, ici comme ça. Et on va faire une espèce de petit jacuzzi qui va bien, tu vois. On va le faire comme ça, avec deux blocs de marge. Pas Simpson cette fois-ci quand même, hein, parce que deux fois la même blague, ça serait trop. Hop. Voilà, donc on va faire une espèce de petit carré comme ça. Ça se voit pas trop, tu me diras. Mais c'est fin et c'est plutôt, plutôt ingénieux, je trouve. Donc voilà, on va mettre du bois aussi au niveau du dessous. Cette fois-ci, mon anti-pluie marche, je suis content. Et on va juste rajouter de la flotte ici, comme ça. Hein. Voilà. Et ça nous fait un petit coin jardin sympathique. Moi, j'aime bien. Tu vois le truc? Alors, on va aussi rajouter des blocs de vitres au niveau du toit. Parce que le toit, on l'a pas encore complètement fini. C'est-à-dire qu'on va utiliser... on va faire des puits de lumière. Donc je sais que techniquement, ça serait complètement inutile. Hein, mais c'est juste pour la plaisir. Enfin, c'est juste pour le style, tu vois. On va creuser comme ça dans la maison. C'est-à-dire on va prendre 2, 3... Alors il y a combien? Il y a 13 blocs. 13 par 2, ça fait 7. 7 pour le milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on est au milieu. Donc on va prendre 3, 4 blocs de large. Et on va faire un trou dans le toit comme ça. Ok, sur 4 blocs de longueur. Hop. Et on va mettre des blocs de vitre comme ça à la place. Tu vois, c'est juste pour faire un espèce de puits de lumière qui est pas forcément utile, mais qui fait juste classe en fait. Tu vois, moi j'ai un puits de lumière sur mon toit, tout va bien. Là, ça fait joli. Et puis c'est à peu près tout. Alors du coup, pour en finir véritablement avec le toit, on va utiliser les panneaux solaires ici, tu vois. Hop. Et on va les mettre sur le deuxième
du coup de toit, hein, il faudra les mettre là où il y a de la place, là où on pourra les mettre aussi. Hop. Et hop, en les mettant en bleu tant qu'à faire. Hop. Ok. Et voilà, maintenant on va juste vraiment finir avec 2-3 points, 2-3 points de verdure, évidemment. Les blocs de feuilles sur le toit, c'est indispensable sur mes constructions. Juste au moins un ou deux, quoi, histoire de dire. Hop, ici comme ça, pareil. Et ça donne toujours un petit peu de vie, hein, sur la maison. Ça, c'est cool. Alors, une fois qu'on a fait ça véritablement, bah, il nous reste juste les finitions, c'est-à-dire au niveau de l'avant de la maison et sur le côté, tu vois, il y a une espèce de petit banc ici, tu vois, sur le côté qui est sympa, avec une espèce de water feature. Enfin, c'est pas un water feature, c'est un espèce de petit jardin, tu vois, aussi devant la grande vitre et devant cette partie-là de la maison aussi. Donc pour ça, on va devoir utiliser du podzol. Du podzol, monsieur, carrément. Donc l'idée, ça va être voilà, de faire des espèces de jardins comme ça, hop, et hop, et on va utiliser du coup des plaques de pression et du podzol. C'est-à-dire que du coup, le podzol, on va le mettre sur le devant des vitres, comme ça, sur deux blocs de profondeur, peut-être sur trois blocs sur le premier, attends, je regarde. Voilà, on va le faire sur trois blocs ici et sur deux blocs là-bas. Ok. Donc voilà, on va prendre sur un bloc comme ça sur le mur et on va prendre sur toute la longueur collé à la tour. Voilà. Et du coup, l'idée après, ça va être de faire des espèces d'arbustes très en longueur finalement. Hop. Tu vois. Ok. Une fois qu'on a ça, on va utiliser les barrières de bois de sapin. Ok. Parce que ça donne un côté un petit peu plus sympa. On va les mettre à 3 blocs de hauteur chacun. Et on va les espacer de 3 blocs chaque aussi. 1, 2, 3, pouf. Et on va les mettre, on va les monter à 4 ou 5 blocs de hauteur de feuilles, hein, au niveau du dessus. Donc 2, 3, 4, 5. Ouais, alors c'est peut-être un peu haut au niveau du truc. Du coup, on va peut-être utiliser que 2 blocs de barrière. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ouais, ça rend plutôt bien. On va utiliser du coup les plaques de pression. Hop. Et bah du coup, on fait encore un petit peu d'ornementation. On va mettre des fleurs à ce niveau-là. Des fleurs bleues par le devant. Voilà, il se passait d'un bloc chaque parce que pourquoi pas. Et des fleurs de couleur vraiment un peu vives, tu vois, rouge ou orange au niveau de l'arrière. Histoire de... Hop, histoire 2. Oh là, parce que pourquoi pas, encore une fois. Hop, 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 hop. Et ça rend plutôt bien, moi j'aime bien, tu vois. Alors, on fait vite fait la même chose devant l'autre partie de la maison. Hop. Ok, on enlève l'herbe et on met du podzol à la place. Alors, effectivement, le podzol, ça peut être un peu compliqué à trouver en survival. Mais bon. Voilà, c'est un détail, j'ai envie de dire. Voilà, si j'arrive à cliquer où il faut. Voilà. Voilà, alors on va peut-être rajouter quand même des barrières au niveau du dessous. Ouais, c'est un peu mieux. Peut-être même 3. Ouais, encore mieux. Ok, donc il nous reste vraiment qu'un tout petit détail pour vraiment finir la maison, c'est de mettre un espèce de banc, tu vois, qu'il y a en dessous de notre préau ici, tu vois. Donc, l'idée, c'est qu'on va utiliser encore une fois des blocs de machin. Ok, ici comme ça sur 3-4 blocs de longueur. On va utiliser des pancartes pour mettre des accoudoirs. Hop, alors. Ok. Et on va utiliser en fait une espèce de petit chemin en plaque de pression qui va venir devant notre banc ici, tu vois, mais qui va aussi venir comme ça, hop, un petit peu en arrondi jusqu'à l'entrée, et ça va donner un espèce de petit chemin qui va être assez naturel finalement, et ça va donner un aspect un peu naturel à la maison qui, elle, utilise des formes géométriques extrêmement tranchées, tu vois, un peu des lignes droites en courbe, des droits, des trucs très droits ou des triangles un peu, et du coup, ouah,
on a une forme un peu naturelle là-dessus. Voilà. Et ben du coup, on a fini notre maison. J'espère qu'elle te plaît, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à la customiser dans tous les sens que tu veux. Ça, c'est fait pour ça aussi. Donc voilà. Je te souhaite un très bon jeu, bon vent matelot et bon week-end aussi du coup à toi, parce que normalement cette vidéo devrait sortir dans le week-end. Sur ce, bon jeu, à plus et bon vent matelot!